Salut! Aujourd'hui, je vous montre une technique de rose incrustée avec des pop-it. Vous allez voir que c'est une technique qui est en fait très simple, un peu longue, mais très simple. C'est une vidéo que je voulais faire il y a un petit moment quand c'était la mode des roses incrustées faites à la crigelle. Vous allez voir qu'ici c'est une technique complètement différente et avec un rendu aussi complètement différent. Donc j'espère que ça va vous plaire et maintenant sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo. Je commence par préparer ce dont j'ai besoin. J'ai décidé de faire ma première rose en violet, donc je dépose 2 nuances de vernis violet sur une palette, ainsi qu'un peu de vernis vert foncé pour faire les feuilles. Je dépose un peu de gel transparent sur ma palette, donc ça, c'est le gel qui va nous servir à coller les pétales entre eux. J'ai mis un tout petit peu de vernis bleu dans mon gel, mais c'est facultatif. Au final, vous allez voir que j'ai pas beaucoup utilisé ce gel coloré. En fait, le fait que ce gel soit coloré, ça donne un peu de nuance de couleur à notre rose. Pour cette méthode, nous avons besoin de pop-it. Donc ici, j'ai pris 2 pop-it, un pour l'ongle, donc que j'ai choisi à la taille de l'ongle, et un autre pop-it qui va nous servir à créer les petits décors. Donc pour celui-là, j'ai pris la taille la plus grande. Je commence par appliquer du gel transparent dans tout le pop-it. Donc je recouvre bien toute la surface du pop-it et je mets à catalyser 30 secondes. Pendant ce temps-là, je prends mon autre capsule et je trace une ligne sur toute la longueur du pop-it. Il faut quand même que cette ligne soit assez épaisse et une fois que c'est fait, je mets cette ligne à catalyser 30 secondes. J'applique une petite goutte de gel transparent dans le pop-it où il y a du gel. Puis je récupère le pop-it avec la ligne et je détache cette ligne avec une petite pince. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'enroule ma ligne autour de ma petite pince en serrant bien. Je récupère le petit tourbillon et j'appuie avec mes doigts pour resserrer le tout et pour éviter que le tourbillon ne se défasse. Je dépose délicatement le petit tourbillon dans la bille de gel. Je mets à catalyser 30 secondes et on a maintenant le centre de notre rose. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer les pétales de ma rose. Je prends donc mon autre pop-it et je dessine des pétales de rose. Comme tout à l'heure, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur de vernis. Et je dessine des sortes de formes qui sont un peu plus larges en haut qu'en bas. J'hésite pas à en faire de différentes tailles et je mets ça à catalyser 30 secondes. Pendant ce temps-là, je reprends mon autre pop-it et c'est pas une étape obligatoire, mais moi j'ai décidé de mettre quelques paillettes ou quelques décors au centre de la rose. Une fois les pétales catalysés, je peux les détacher un à un. Donc je prends un pétale avec ma petite pince, je trempe la partie la plus large du pétale dans le gel, c'est ce qui va nous servir de colle en quelque sorte, et je dépose le pétale sur le petit tourbillon et je continue comme ça avec les autres pétales. Le but dans un premier temps, c'est de recouvrir le petit tourbillon et ensuite d'entourer ce petit tourbillon avec les pétales. Une fois que j'ai fait un tour, je mets à catalyser, puis je fais un deuxième tour en disposant les pétales en quinconce. Maintenant, je vais faire des pétales un peu plus grands, donc cette fois-ci je les fais au centre du pop-it. Et le fait que le pop-it soit incurvé, ça nous aide pour faire des pétales courbés. Je mets les pétales à catalyser, puis je les dispose comme tout à l'heure, tout autour de la rose. Il faut bien garder à l'esprit que ce qu'on voit quand on fait la rose, c'est le dessous de la rose. Donc elle doit avoir l'air fermée vu de cet angle pour avoir l'air ouverte vu du bon côté. D'ailleurs, n'hésitez pas à retourner la capsule régulièrement pour voir ce que ça donne du bon côté. Je catalyse entre chaque tour pour figer les pétales. Et pour le dernier tour, je fais des pétales encore plus grands. Le but, c'est vraiment de faire des pétales de plus en plus grands. Je regarde du bon côté pour ajuster ma rose. Donc là, je trouvais qu'il manquait un pétale en bas. Donc j'ai refait un grand pétale que j'ai disposé à l'endroit que je voulais. Une fois que je suis satisfaite de ma rose, je mets le tout à catalyser 60 secondes pour que tout soit bien figé. Et pendant ce temps-là, je vais faire les petites feuilles. J'en fais de différentes tailles et je les mets à catalyser 30 secondes. Et je fais comme tout à l'heure, je les trempe dans le gel transparent et je les dispose un peu comme je veux en regardant régulièrement du bon côté pour voir ce que ça donne. Je n'hésite pas à mettre les feuilles les unes sur les autres pour créer un effet de profondeur. Vous pouvez même faire des feuilles de différentes couleurs si vous voulez. Une fois que je suis contente, je mets à catalyser. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un peu de paillettes. Donc je commence par appliquer une fine couche de gel et je dispose directement quelques paillettes dessus à l'aide d'un petit pinceau. Et une fois que c'est bon, je mets à catalyser quelques secondes pour figer les paillettes.
Ensuite, j'ai mis un peu d'acrygel rose transparent pour encapsuler tous les décors. J'ai étalé finement l'acrygel dans toute la capsule avec un bâtonnet imbibé de cleaner. J'en ai aussi mis en haut de la capsule. Et normalement, ce serait à cette étape qu'il faudrait poser la capsule sur l'ongle. Je mets ensuite le tout à catalyser minimum 60 secondes. Une fois le pop-it retiré, il n'y aurait plus qu'à dégraisser et à limer tous les rebords avec une lime douce. Je n'ai même pas appliqué de finition. Et voilà ce que ça donne à la fin pour la première capsule. Pour la seconde capsule, j'ai commencé comme la première. J'ai appliqué une couche de gel dans tout l'intérieur de la capsule. Cette fois-ci, j'ai fait deux roses de couleur rose, une plus claire et l'autre plus foncée. Donc, je fais ma ligne que je mets à catalyser et que je tourbillonne. J'ai déposé le premier tourbillon au centre de l'ongle cette fois et j'ai mis à catalyser. J'ai déposé quelques décors au centre du tourbillon. J'ai créé les petits pétales que j'ai dans un premier temps disposés sur le tourbillon. Puis tout autour en disposant les pétales en quinconce. Je catalyse à chaque fois que je le juge nécessaire pour figer les pétales. Je regarde régulièrement du bon côté pour voir ce que ça donne et pour ajuster au besoin. Je fais moins de tours que pour ma première capsule puisque cette fois-ci je veux faire des roses plus petites. Donc je m'arrête là pour cette rose et je commence la deuxième. Cette deuxième rose, je l'ai fait d'une couleur un peu plus claire. Je fais les petites feuilles de différentes tailles. Je les trempe dans le gel et je les dispose un peu comme j'en ai envie. Je mets à catalyser 60 secondes et comme tout à l'heure, je vais ajouter quelques paillettes. Je mets à catalyser et cette fois-ci, au lieu de mettre de l'acrygel, j'ai décidé d'utiliser du gel pour que ce soit plus transparent. Donc j'ai pris du gel transparent, dur, non auto-égalisant et j'en ai appliqué un peu partout dans toute la capsule pour encapsuler mes roses et les paillettes. Et voilà ce que donne ma deuxième capsule avec le pop-it retiré et les rebords limés. Et voilà donc le résultat de mes deux capsules. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et laquelle vous préférez. Dites-moi aussi si vous connaissez cette technique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt !